Anaïs Bédemir attend son deuxième enfant. Et comme pour le premier, les téléspectateurs de France 2 vont voir. Petit à petit, son ventre s'arrondir. En 2019, la journaliste de 42 ans avait partagé sa première grossesse avec le public. Continuant d'assurer la météo jusqu'à 2 mois du terme. À l'époque, elle ne savait pas à quelle réaction s'attendre, j'appréhendais un peu ma grossesse à l'écran. A-t-elle confié à Télé 2 semaines en juillet dernier. Heureusement, tout s'est très bien passé, ça a été fantastique. Avait-elle assuré. J'ai reçu énormément de messages et de cadeaux. Sa petite Lina Sultan est née en janvier 2020. Revenue à l'antenne 7 mois plus tard, une fois son congé maternité terminé. Anaïs Bédemir a annoncé cet été dans Télé 2 semaines que le public de France 2 allait de nouveau pouvoir la suivre dans une grossesse, elle et son compagnon auront bientôt un deuxième enfant. On est très heureux car on voulait que nos enfants soient rapprochés, a-t-elle confié au magazine, Comblé. Sans révéler le terme, Anaïs Bédemir avait confié à Télé 2 semaines que son ventre arrondi serait rapidement visible par les téléspectateurs. « Je pense que ça va se voir à l'antenne », avait-elle assuré. C'est effectivement le cas. Revenue sur nos écrans de télévision le 26 juillet dernier, Anaïs Bédemir semblait au départ avoir sa ligne habituelle. Mais au cours des dernières semaines, difficile de ne pas remarquer l'évolution. Malgré ces petites robes noires qui font parfois illusion à la caméra, le baby bump se fait de plus en plus visible au fil des jours. Et avec la robe qu'Anaïs Bédemir portait ce mercredi 25 août pour ses bulletins météo. Il était même bien mis en évidence, tout particulièrement lorsque la présentatrice était de profil. À ce rythme, celles et ceux qui n'étaient pas encore au courant pour sa deuxième grossesse devraient vite la découvrir.